Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de gratin blé thon tomate gratiné à la mozzarella. Donc c'est une recette que j'ai piquée à ma soeur, mais elle ne le sait pas encore, faut pas lui dire. Hein? Et voilà, c'est très simple et c'est parfait quoi, rien à dire. On se retrouve tout de suite pour les ingrédients. Donc pour cette recette, il nous faut un oignon émincé grossièrement. On va le mixer, donc ça ne sert à rien. S'il y a des morceaux un peu plus gros, c'est pas la fin du monde. Il nous faut 200 g de blé à cuire. Il nous faut une boîte de pulpe de tomate. Il nous faut une boîte de thon au naturel. Donc là, pour égoutter, 185 g. Il nous faut un peu de basilic. Vous pouvez prendre aussi un peu d'origan. Et il nous faut un peu de mozzarella. Donc moi, j'ai pris de la râpée. Donc là, j'ai 150 g. Ça fera suffisamment l'affaire, on a la quantité qu'il faut. Il n'y a plus qu'à y aller. Allez, on est parti. Alors pour notre sauce tomate, j'ai pris une casserole, un peu d'huile d'olive et je vais faire revenir tout doucement mes oignons. Hop. Allez, 5-6 minutes. Donc là, notre oignon est bien revenu. On va y mettre, hop, notre pulpe de tomate. On va y mettre, hop, notre basilic. Donc moi j'ai pris du surgelé. Si vous avez du frais, vous le mettez à la fin. Là c'est du surgelé, c'est pas pareil forcément. Là je vais y mettre de l'origan. Vous pouvez très bien aussi mettre un peu d'herbe de Provence. Il n'y a pas de souci. Et on va laisser réchauffer ça 2-3 minutes. Vous pouvez rajouter aussi de l'ail, d'ailleurs je vais en mettre. Hein. Si vous n'avez pas d'ail frais, l'ail déshydraté, bon c'est pas pareil, mais c'est ça dépanne. Donc là je vais en mettre un petit peu. Si vous n'en avez pas, c'est pas la fin du monde. Allez, 2-3 minutes. Donc là, notre tomate est bien réchauffée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre un mixeur plongeant, on va faire attention de ne pas le brûler et on va mixer. Et voilà, il faut mixer ce que ça donne. Donc là, on va pouvoir débarrasser et on va cuire le blé. Donc le blé, c'est 10 minutes. Enfin, sur la boîte, c'est marqué 10 minutes et on pense à égoutter notre thon. Allez, go! Donc j'ai mis ma sauce tomate dans un saladier et je vais rajouter mon thon que j'ai émietté. Et je vais rajouter tout simplement notre blé qu'on a cuit. Donc vraiment rien de compliqué. Hop, on mélange bien. Et après, on mettra dans le plat qui va au four. N'oubliez pas de rassaisonner un coup, c'est le moment. N'hésitez pas à remettre du sel, du poivre. Moi, je vais le faire tout de suite. Vous rajoutez des herbes, des épices, c'est maintenant aussi. Donc j'y ai mis ma préparation au fond de mon plat. Et là, je vais mettre ma mozzarella râpée dessus. Vous pouvez très bien prendre de l'emmental aussi, mais les mozzarella, ça va rester dans le côté italien de la sauce tomate et tout. Hop. Voilà. Et là, on va mettre ça à gratiner. Allez, une vingtaine de minutes. De toute façon, tout est déjà cuit. Donc, il n'y a plus vraiment qu'à remonter en température et gratiner le dessus. Allez, on est parti. Et voilà le résultat après cuisson. Regardez, ça a bien gratiné. Ça va être coulant. Ça va être filant avec la mozzarella. Hein, ça va être bien délicieux avec notre sauce tomate maison en dessous. Et voilà, encore un repas du soir facile. Allez, je passe en mode dégustation. Bonne soirée, bisous bisous!